Bonsoir, bienvenue dans votre émission de voyance préférée confidentielle. Je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois ce soir. Nous sommes le vendredi 21 mars. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends en direct sur le plateau. Vous le savez, avant de commencer cette émission, je vous rappelle un seul et unique numéro de téléphone, le 3255, sans oublier la touche 2. Si vous appelez depuis la Belgique, vous le savez, vous avez votre propre numéro de téléphone. C'est le 0900 88 126. Alors, n'hésitez plus, je vous attends. Le standard est prêt. Nous vous attendons avec impatience sur le plateau de Confidentiel. Et je me permets de faire un coucou à Marie, qui travaille, qui est responsable d'une agence immobilière. Je lui souhaite plein de bonheur et de réussite dans ses projets pour 2014. Alors, je vous rappelle un seul et unique numéro de téléphone, le 3255, la touche 2. Si vous êtes un petit peu timide, vous pouvez faire une consultation en privé 100% confidentielle au 01 75 75 10 10. Vous pourrez avoir un confrère ou une consoeur immédiatement. Je serai bien évidemment disponible sur consultation privée dès demain à ce même numéro de téléphone. Mon identifiant, c'est le 30 48. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission, vous le savez, le jeu du tarot de Marseille, enfin en tout cas le jeu de la carte avec les cartes du tarot de Marseille ce soir, vous permettront peut-être de gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Alors, pour cela, composez vite le 3255, la touche 2 pour arriver en direct et choisir la carte du tarot de Marseille à l'issue de votre consultation. Je procède tout de suite au tirage. Voici, la carte a été sélectionnée par ma main plus ou moins innocente, dirons-nous. En tout cas, je vous attends, vous le savez, un seul et unique numéro de téléphone, le 3255 et la touche 2, ou depuis la Belgique, le 0988-126. Alors, est-ce que la régie a un premier appel ? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Thomas. Bienvenue. Bienvenue, c'est Colette. Colette, oui, on s'est déjà eu, Colette. Eh oui, il y a deux jours. Il y a deux jours. Alors, chère Colette, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 30-10-48. 30-10-48. Quelle est votre question ce soir, Colette ? Eh bien, ce serait pour en savoir un peu plus sur le domaine sentimental. Alors, pour vous éviter, et pour gagner du temps, pour vous éviter de redire les mêmes choses, s'il vous plaît, précisez-moi votre question. Ben voilà, c'était pour savoir quand est-ce que j'allais faire la rencontre. Alors ça, on en a déjà parlé, on a déjà vu ça il y a deux jours. Donc vous savez que ça reste dans une période de 2014, qu'il y a un principe d'étape qui est nécessaire pour que les choses puissent avancer. Oui, mais vous m'avez dit en 2014. Alors, on est d'accord, c'est en 2014, avec une progressivité sur le premier trimestre 2015. C'est une étape, ce sont des choses qui se font par étapes, ce n'est pas immédiat, tout de suite, maintenant. Donc oui. Là, par rapport à votre situation, effectivement, c'est bien sur l'année 2014. Maintenant, aujourd'hui, ça, on l'avait déjà vu, donc il faut que je sois constructif pour vous apporter d'autres informations. Ça ne sert à rien de répéter ce qu'on a vu il y a deux jours. Oui, oui, oui. Et je voudrais savoir la personne, comment elle est. Alors, comment est cette personne ? Alors, c'est une personne qui est aux alentours d'un mètre 70 à 1m75, très dynamique, qui est pour moi encore en activité professionnelle, plutôt en activité libérale, plutôt à son compte. J'ai quelqu'un qui est dans une démarche de chercher une relation constructive, qui ne veut surtout pas de relation à court terme, qui cherche vraiment une relation au long terme qui va lui permettre d'avancer sur quelque chose de constructif. Ensuite, comment je vais le rencontrer ? Donc, vous rencontrez cette personne par rapport à des connaissances communes. C'est des connaissances communes qui vont vous permettre de faire cette rencontre-là. Vous allez vous voir plusieurs fois avec ces personnes autour de vous. Et derrière, vous allez pouvoir avancer sur des visuels simplement entre vous deux. Donc, ce que je peux vous donner aussi comme autre information, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de caractère. J'aurais plutôt quelqu'un qui soit capricorne ou bélier, ou éventuellement un peu taureau. Ce n'est pas une catastrophe, vous êtes un peu scorpion, donc il ne faudrait peut-être pas cracher sur la soupe non plus, hein, Colette ? Hein ? Parce que mais taureau, je suis déjà sorti avec un taureau. Le monopole du mauvais caractère n'est pas réservé aux scorpions, hein ? Donc, en attendant, Colette, pour moi, il vous faut quand même quelqu'un avec du caractère. Quelqu'un de trop mou, ça ne vous convient pas, il faut être clair là-dessus. Hein ? Ouais, mais moi, j'aurais préféré un lion. Ah ben, si vous voulez un lion, mais ce sera peut-être plutôt un ascendant lion. Je ne vois pas un lion direct, très sincèrement. Ah oui. Hein, ça peut être l'ascendant, mais moi, j'ai quand même un caractère moins numéro 1. D'accord ? Alors,
Cette évolution, elle va basculer sur 2015, hein, donc il ne faut pas vous précipiter. Vous avez un peu tendance aussi à avoir besoin de vibrer dans la relation, être dans une situation constructive tout de suite et un peu pressante. Donc faites attention à ne pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, ça ne se stabilise pas correctement derrière. D'accord. Donc là, dans votre situation, Colette, c'est positif. Ça avance sur 2014. Donc il faut juste patienter maintenant, d'accord ? D'accord. Alors Colette, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner 10 minutes de consultation en trouvant la carte qui est devant moi. Je vais dire le 10. Alors non, ce n'est pas le 10 malheureusement. En tout cas, je vous remercie de votre appel Colette, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Je vous embrasse, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors si comme Colette, vous souhaitez une consultation en direct sur le plateau, rien de plus simple, un seul et unique numéro de téléphone, vous le savez, je le répète assez souvent, c'est le 3255, la touche 2, pour la Belgique, le 0900 88 126, alors ne vous retenez pas, il y a de la place au standard, je vous attends avec impatience au 3255 et la touche 2, le numéro s'affiche à votre écran progressivement tout le long de l'émission, donc vous n'avez aucune excuse, vous ne l'oublierez pas, c'est le 3255 et la touche 2, il y a toujours la consultation de 10 minutes gratuite à gagner. Alors vite, le 3255 pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Nathalie à l'appareil. Bonsoir Nathalie, c'est la première fois que vous me consultez ? Oui. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance. Alors 24-03-49. 49, parfait. Quelle est votre question Nathalie ? Alors, rencontre importante avec vie à deux, si possible. Alors, rencontre sentimentale avec sérieux. Alors pour moi c'est sérieux parce que vie commune ça fait partie de la relation sérieuse quand même. Hein. Oui, oui. Hein. Pour moi c'est un tout. Alors je suis peut-être un petit peu trop fleur bleue, mais c'est comme ça que je le vois. Alors on va regarder ça. Vous de votre côté, beaucoup de questions sur 2014. Vous êtes déjà posé pas mal de questions depuis le début de l'année. Vous êtes en interrogation encore pendant à peu près un mois et demi sur oui, alors j'aimerais plutôt ça, comme ça, je sais pas, oui peut-être. Et bon, beaucoup de questions en tout cas pour moi. Votre situation, pour moi, elle s'améliore sentimentalement à partir de l'été. J'ai plus une nouvelle rencontre qui se met en place à partir de juillet-août 2014 pour moi. Avant, ça me paraît un peu difficile de par le fait que je n'ai pas de stabilité possible avec les rencontres que vous allez faire d'ici là. J'ai vraiment plus une notion d'été, juillet, août. C'est là où effectivement j'ai quelque chose de sérieux. Avant, ce sont des rencontres qui ne peuvent pas être sérieuses pour moi. D'accord. Ce qui m'ennuie un petit peu, Nathalie, je vous laisserai juste après. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il y a quand même une notion de passif qui vous empêche, quand la relation se présente, de finalement vous lâcher, entre guillemets, un petit peu, et puis d'avancer correctement. J'ai l'impression qu'il y a une certaine retenue, en fait, au départ de cette relation que vous allez engager sur juillet-août. D'accord. Dû à la méfiance, dû à quoi ? Oui, c'est de la méfiance, pour moi, c'est de l'inquiétude sur la souffrance éventuelle que ça peut générer derrière pour vous. Donc, bon, c'est normal, mais ne soyez pas trop méfiante. D'accord. Et elle se passe comment, cette rencontre ? Alors, cette rencontre, c'est par rapport à son activité professionnelle. C'est-à-dire que vous allez être amené, de par son activité professionnelle, à vous rencontrer. Ce n'est pas dans votre activité professionnelle à vous, mais dans son activité professionnelle. Vous voyez la différence ? Oui, tout à fait. Donc, pour moi, vous allez être amené à vous voir 2-3 fois de suite sur 15 jours, 3 semaines d'intervalle, pour des raisons professionnelles qui lui sont propres. Et c'est seulement ensuite que vous allez pouvoir engager une relation, en tout cas, vous voir en dehors de cet aspect professionnel. Et il est dans quel secteur d'activité ? Pour moi, c'est tout ce qui est la vente. Grande distribution, vente. Donc, j'ai quand même beaucoup de produits électroniques autour de cette personne. D'accord. OK. On me dit aussi que c'est quelqu'un de légèrement plus jeune que vous. 2-3 ans de moins que vous. Comme d'hab. Et ce qui m'apparaît aussi, c'est que c'est quelqu'un qui me semble plus être comme un peu un sagittaire. Le sagittaire, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un de stable, de fidèle dans les relations, de carré. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous convient bien. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité et stabilisé par rapport à cette relation. D'accord.
Ok. Donc c'est une question de temps, Nathalie, là, on est dans quelques mois, donc il ne faut pas vous inquiéter. D'accord. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors ne raccrochez pas, peut-être vous allez pouvoir gagner la consultation de 10 minutes. Ah oui, la 18. Alors non, ce n'est pas la 18. En tout cas, je vous remercie de votre appel, Nathalie, je vous souhaite je une excellente soirée. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors si, comme Nathalie, vous souhaitez une consultation avec moi en direct sur le plateau, bien vous le savez, c'est le 3255, la touche 2. Depuis la Belgique, vous avez votre propre numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126. Alors n'hésitez plus, composez directement ce numéro pour arriver sur le plateau avec moi. Bien sûr, sans complaisance, sans support. Mais par contre, le seul support que j'ai, c'est le tarot de Marseille qui me sert à quoi ? À vous faire gagner 10 minutes de consultation. Alors vite, venez au 3255 pour permettre au standard d'avoir des appels. Je vous attends avec impatience. Je crois que j'ai un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît ? Florence. Florence, c'est la première fois que vous m'appelez ? Aujourd'hui, oui, mais je vous ai déjà eu sur le plateau la dernière fois. Vous êtes... D'accord, parfait. Alors Florence, votre date de naissance s'il vous plaît ? Oui, le 15 septembre 69. D'accord. Votre question ? Alors, je vous appelle concernant le sentimental, concernant Philippe, qui est né le 14 décembre 57. Alors. Donc, ma question, c'est, après 5 ans de relation, il n'arrivait toujours pas à se positionner par rapport à moi et puis faire ses choix par rapport à sa vie de couple officielle. Une rupture a été posée le 31 décembre. Et nous avons repris contact depuis une semaine et nous nous revoyons demain soir. Les échanges depuis une huitaine sont quand même assez porteuses de positifs, je dirais. Mais bon, voilà, je voulais savoir ce que vous ressentiez par rapport à ce rendez-vous de demain. Et si Philippe était prêt maintenant dans sa tête à penser avec moi pour éventuellement construire. Alors, concernant votre question avec Philippe, pour moi, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est son état d'esprit. Son état d'esprit, il est relativement positif parce que c'est quelqu'un, comme j'avais dû sûrement déjà vous le dire, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Oui, mais ça a pris du retard par rapport, je vous avais eu en septembre. Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Vous vous aviez vu dès le début du positif, mais ça a pris du retard en fait. Il y a dû avoir un blocage entre septembre et décembre. C'est possible, ça ferait effectivement, ce sont des périodes. Le plus important, c'est la finalité pour moi. Et ce qui ressort aujourd'hui, c'est vraiment le fait qu'il y a des sentiments sur cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, faites attention, je vous sens trop dans l'attente de quelque chose de précis. Dans ce rendez-vous, vous n'aurez pas de réponse précise à votre situation. C'est un rendez-vous, une entrevue qui va vous permettre de reprendre le contact visuel. Ça, c'est déjà la première étape. Ensuite, vous êtes pour moi en stagnation actuellement. Lui, de son côté, il commence à évoluer, il commence à bouger. Donc, c'est effectivement lui qui va pouvoir faire en sorte que les choses puissent se mettre en place correctement. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est vraiment cette notion de « j'ai trop d'attentes ». Et ce trop d'attente peut être un blocage. Je ne peux pas vous dire si c'est un blocage réel. En tout cas, ça peut l'être. Pour moi, une finalité reste, c'est le fait qu'il y a effectivement quelque chose de positif à voir derrière tout ça pour permettre d'avancer de votre côté à vous, chacun l'un avec l'autre. Par contre, malheureusement, et vous le savez déjà, c'est quelqu'un qui ne va pas au rythme où vous le souhaiteriez. De toute façon, cette entrevue, c'est une reprise de contact pour moi. Ce n'est pas une situation qui va permettre l'avancée concrète et réelle. Il ne faut pas trop en attendre de cette entrevue. C'est la prochaine entrevue qui aura lieu sur le courant du mois d'avril qui, là, va permettre de vous poser un peu plus clairement l'un et l'autre et pouvoir, de la part de Philippe, de vous exprimer ce que lui est en train de mettre en place depuis quelques semaines dans sa vie de manière générale. D'accord, donc là, ce week-end, il se passe bien quand même ? Il se passe bien, je n'ai pas dit qu'il ne se passait pas bien. Il se passe bien, oui. Mais vous n'aurez pas les réponses à tout ce que vous attendez. Donc il ne va pas savoir me dire ce qu'il veut. Il va effectivement partager avec vous, il va passer un bon moment avec vous, mais il ne va pas tout vous expliquer, il ne va pas tout vous dire, il ne va pas aborder tous les sujets. Parce que ce n'est pas le moment. D'abord, là, c'est une reprise de contact visuel. C'est seulement la prochaine fois où vous pourrez rentrer dans le vif du sujet, si je puis parler comme ça. D'accord.
Et ce qui m'ennuie, j'insiste une troisième fois, puisque là, avec votre énergie actuelle, vous attendez trop. Vous attendez trop de ce rendez-vous avec Philippe. Bah, disons que j'ai rencontré quelqu'un, moi, en parallèle. Oui, et Et j'attends la décision de Philippe pour pouvoir avancer avec lui ou avec l'autre personne. Non, je suis désolée, c'est pas dans le bon sens. C'est pas à attendre Philippe. C'est vous à savoir ce que vous voulez de votre côté, Florence. Si Philippe est fait pour vous, la vie va vous remettre sur le même chemin. Peu importe ce que vous allez faire. Mais là, c'est pas le nouveau, c'est un peu la bouée de secours. Si jamais... Non, à vous d'être clair avec vos sentiments. Est-ce que vous voulez vraiment? Oui, je veux vraiment Philippe. Alors, pourquoi vous êtes en train de dire « j'attends Philippe » hein? Vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans l'attitude de Philippe et dans la vôtre, être autant dans l'attente. C'est un blocage qui peut être mis en place en ayant cette énergie-là. Vous devez absolument prendre du recul. Et maintenant, si vous souhaitez partager avec Philippe, laissez Philippe vous proposer un deuxième rendez-vous sur le courant du mois d'avril pour avancer. Mais là, vous n'aurez pas toutes les réponses au premier visuel. C'est une reprise de contact visuel, c'est tout, ce rendez-vous de ce week-end. D'accord. On se revoit après. Vous vous revoyez après, à partir du mois d'avril. Effectivement, où là, vous échangerez plus dans le détail, d'accord? D'accord. Alors, Florence, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, mais peut-être vous allez pouvoir gagner une consultation de 10 minutes. Oui, le 14. Alors, effectivement, c'est le 14, je vous félicite. Voilà, c'est ici, la 14. Je vous demande donc de rester en ligne, Florence. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause dans quelques instants. S'il vous plaît, il y a de la place au standard, il n'y a pas d'appel. Alors composez vite le 3255, sans oublier la touche 2. Depuis la Belgique, vous le savez, vous avez votre numéro de téléphone, c'est le 0900 88 126. Alors tout de suite, je reviens dans quelques instants, mais vous, composez le 3255. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous n'avez pas zappé et surtout que vous avez composé le 3255 sans oublier la touche 2 pour arriver jusqu'à notre plateau en direct. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, et je vous attends avec impatience, sans support et surtout sans complaisance. Alors vite, composez le 3255, la touche 2, depuis la Belgique, le 0900 88 126. Et maintenant, c'est le moment fatidique. Nous allons voir si quelqu'un a composé l'un de ces deux numéros de téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un en direct avec moi? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Mona. Mona, c'est ça? Oui. D'accord. Alors Mona, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Le 16-2-77. Le 16 février 77, c'est ça? Non, 16 décembre 77. D'accord, ok, super. Hop, Sagittaire. Alors, votre question, s'il vous plaît, Mona. Je voulais vous poser deux questions, mais comme je ne peux en poser qu'une, bon, je vais choisir le domaine sentimental. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous voyez de mon avenir sentimental? Alors, j'aurais besoin du prénom et de la date de naissance de la personne à aborder, s'il vous plaît. Bon, éventuellement, Anthony, 16 octobre 84. Anthony, c'est ça? Mm-hmm. D'accord. Vous êtes en suspens, là, Mona, actuellement, dans votre situation sentimentale, dans le sens où rien n'est très établi, difficulté de vous projeter vers l'avenir. Des personnes qui passent sur votre chemin et qui n'arrivent pas à vous proposer quelque chose qui vous corresponde. Tout à fait. Pas assez de sécurité, pas assez de stabilité, pas assez de fiabilité. Oui. Tout à fait. Moi, ce qui m'ennuie avec Anthony, là, c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il veut. C'est ça.
pense. Moi, Anthony, disparaît de votre univers au plus tard sur l'automne 2014. D'accord. Là, non, j'y vois pas de construction au long terme avec Anthony. D'accord. Trop incertain. Il est trop incertain de sa propre vie. Tout à fait. C'est difficile pour lui de se projeter et de vous proposer des choses communes. Oui, de temps en temps, il a cette envie-là, parce que c'est un petit peu comme, le mot est peut-être pas le bon, mais peut-être un peu comme un fantasme de se dire « Ah, ce serait génial si je pouvais arriver à faire ça. » C'est-à-dire proposer quelque chose de stable, au long terme, avoir des projets communs. Mais voilà, il n'arrive pas à concrétiser ça. C'est plus fort que lui. Moi, je ne vois pas de sentimental constructif avec Anthony. De votre côté, il y a quand même la réapparition d'une personne de votre passé sur août-septembre à peu près. Donc là, ça va carrément, entre guillemets, vous achever, c'est-à-dire vous perdre totalement dans votre vie sentimentale. Vous ne savez pas du tout dans quel sens les choses peuvent avancer. Donc là, c'est vrai que jusqu'à l'automne 2014, c'est un petit peu le cafouillage, c'est un petit peu comme des îles flottantes, quoi. Hein. C'est un peu, on ne sait pas dans quel sens ça va. Ce serait peut-être lui, puisque effectivement, on est en suspens. Non. Suspens, c'est pas, pour moi, ça n'a rien à voir avec un retour du passé. Vous êtes en suspens, donc ce n'est pas classé. Là, je vous ai dit quelqu'un qui revient de votre passé. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà classé, mais qui revient. D'accord. D'accord. Donc c'est vrai que... Il y a Anthony, effectivement, que je vois bien, mais il y a aussi une autre personne qui revient de votre passé plus lointain. Ah oui. C'est donc ce qui va vous apporter une déstabilisation, et c'est ce qui fait que vous n'arriverez pas à vous situer sur l'année 2014 sentimentalement. Pour vous, c'est plus sur l'automne 2014 où là, il y a quelque chose qui va avancer, c'est-à-dire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui aura lieu grâce à votre univers professionnel du moment, pour vous. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez l'occasion professionnellement de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. D'accord. Donc c'est ce qui va permettre la rencontre de cette nouvelle personne. Vous faites donc cette rencontre sur l'automne 2014, mais je n'ai pas de rencontre sentimentale, enfin de relation, pardon, sentimentale avant 2015. C'est-à-dire que vous rencontrez sur le dernier trimestre 2014, mais vous rentrez en relation sentimentale avec cette personne qu'à partir du premier trimestre 2015. D'accord. Il y a un peu un jeu du chat et de la souris là, hein, qui se passe pendant quelques semaines, quelques mois, avant d'arriver à la relation sentimentale. D'accord. Quelqu'un avec un caractère plus comme le vierge, vierge ou éventuellement poisson pour vous. D'accord. Très romantique, très dans l'attention. Alors au départ, ça va un petit peu, excusez-moi de l'expression, vous saouler parce que vous aurez l'impression que c'est un peu trop. Mais bon, ça c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude, c'est-à-dire que soit vous n'en avez pas assez, soit vous en avez trop. Donc il vous faut un petit temps d'adaptation l'un et l'autre pour savoir où vous allez. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile non plus de vous suivre, si je puis me permettre. Hein. Donc effectivement, il faut aussi à la personne en face de vous un petit peu de temps pour s'adapter et savoir doser les choses. Mais j'ai quelque chose au long terme, donc qui commence à partir du premier trimestre 2015 et qui va relativement loin, hein, puisque au-delà de 11 ans, vous êtes toujours ensemble pour moi. D'accord. Donc là, il y a réellement... vous avez dit au-delà de 11 années. Oh, oui. Ah oui. Donc c'est vraiment quelque chose au long terme, là. Hein. C'est quelqu'un donc, que je rencontre en automne 2014, mais avec qui je concrétise début d'année 2015, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. D'accord. Voilà, Mona. Quelqu'un de mon âge ? Alors, malheureusement, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rappeler 3255, je suis là jusqu'à 23h, donc je pourrais vous répondre, mais nous allons être coupés dans quelques secondes, donc je préférerais vous souhaiter une excellente soirée plutôt qu'on soit coupé vite fait comme ça, ce serait dommage. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée, bon courage, Mona, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors malheureusement, vous le savez, les consultations sont entre guillemets minutées hein, pour que le plus de personnes puissent avoir sa consultation. Alors ne m'en veuillez pas si nous sommes obligés de couper rapidement. En tout cas, vous le savez, il y a un seul numéro de téléphone à composer. C'est le 3252, la touche 2, bien 3255, pardon, la touche 2. Je vous fais un raccourci. Et le 0900 88 126 depuis la Belgique. Alors n'hésitez plus.
Comme Mona, si vous avez une question sentimentale ou une question professionnelle, n'hésitez pas, je suis là pour vous au 3255, la touche 2. Je vous attends et je crois que la régie est impatiente de me passer un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Sébastien. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Donc, c'est le 27-10-75. D'accord. Alors, quelle est votre question, Sébastien? Donc, c'est pour savoir, alors, j'ai un diplôme que je dois passer parce que c'est suite à des longues études. Oui. Et c'était en fait pour savoir si j'allais pouvoir le passer cette année. Disons que j'ai une certaine impatience de pouvoir le passer, mais il y a certaines conditions que je dois remplir. Donc je suis un peu dans l'incertitude, ne serait-ce que de savoir si je pourrais passer ce diplôme cette année. Alors pour moi, je vous arrête tout de suite, Sébastien, il n'y a pas d'incertitude, il y a juste besoin de faire les choses pour que ça marche. Là, vous avez les cartes en main. C'est à vous de le faire. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le passer. Vous passez effectivement ce diplôme sur 2014. Ça me paraît quand même relativement proche de votre anniversaire, dans la zone de votre anniversaire, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc entre septembre et novembre, a priori, dans ce qu'on me dit. C'est quelque chose que vous pouvez faire, mais là, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est à vous de le faire pour que vous puissiez passer ce diplôme. Disons que, d'une certaine façon, oui, parce que ça consiste notamment dans le fait de rédiger des articles, de faire des présentations de mon travail. Il y a pas mal de blocages à ce niveau-là, parce qu'il faut que je trouve des créneaux, en fait, si vous voulez. Les blocages, ouais. C'est vous qui vous les mettez, Sébastien, si je puis me permettre, sans être trop rude avec vous. Hein, vous mettez vous-même les blocages. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, à part vous-même. Donc maintenant, à vous d'accepter de prendre le taureau par les cornes et d'avancer, ou alors à vous de ne rien faire et de continuer dans cette énergie latente qui ne vous permet pas d'avancer et finalement de ne pas évoluer, de ne pas avancer par rapport à votre diplôme. Pour moi, vous avez les cartes en main. Honnêtement, aujourd'hui, vous pouvez très bien y arriver. C'est à vous de vous donner les moyens. Les autres arguments bloquants, c'est juste parce que vous êtes en blocage et que vous avez peur d'avancer. Mais là, il faut y aller. Hein. D'accord. Donc, sincèrement, hein, Sébastien, il y a bien le diplôme qui est passé cette année. Vous l'obtenez donc sur fin 2014. Vous avez les cartes en main pour y arriver et pour faire votre dossier, pour pouvoir vous présenter au diplôme. Voilà, c'est ça. J'ai aucun problème. Enfin, je comprends votre question parce que vous vous interrogez, mais en fait, vous avez les informations dans les mains, vous avez les cartes en main, donc j'ai rien de plus à vous apporter à part vous dire, il faut y aller, quoi. D'accord. Et il y a la réussite derrière. D'accord. Pourquoi vous ne réussiriez pas? Il n'y a pas de raison. Bon, c'est un domaine qui est assez exigeant, donc c'est aussi un peu, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de freins. Hein, faut faire tomber vos blocages, là. Vous vous bloquez tout seul. Alors, posez-vous les bonnes questions, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ce diplôme? Oui, eh bien dans ce cas-là, faut y aller. Oui, moi, j'ai pas de raison qui vous bloque. Disons que parce que, ouais... effectivement, j'ai quelques difficultés à trouver ces fameux créneaux-là, qui consistent notamment à prendre des contacts avec des personnes, et c'est un peu ça qui est bloquant, voilà. Je suis pas particulièrement soutenu de ce côté-là, donc c'est un peu... Dites-vous bien une chose, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, cherchez pas forcément à attendre de l'aide des autres, même si c'est long, fastidieux, vous aurez beaucoup plus de fierté, de mérite, parce que justement, vous aurez tout donné pour pouvoir y arriver. Pour moi, aujourd'hui, les questions que vous vous posez, c'est les questions parce que vous avez juste peur d'avancer. Pour moi, derrière, vous avez, oui, ok, des trucs difficiles à effectuer, des trucs difficiles à faire, mais vous avez les capacités. C'est un petit peu comme si j'avais envie de vous donner à distance un petit coup de pied aux fesses en vous disant, bon, maintenant, il faut y aller, quoi. Vous avez tout pour réussir. Faites-le. Faites-le, vraiment. Vos blocages, ils n'ont pas lieu d'être. Vraiment. D'accord.
Donc sur septembre-novembre, vous voyez... Entre septembre et novembre, il y a l'obtention de ce diplôme. D'accord, d'accord. Bien évidemment, si vous vous lancez là-dedans à corps perdu, hein, puisque là, on est un petit peu en suspens. Ouais. D'accord. Donc vous avez les cartes en main, Sébastien. Maintenant, à vous de faire le travail. Je ne peux pas le faire pour vous. En tout cas, vous êtes dans une bonne direction. Vous avez les cartes en main. Il ne vous reste plus qu'à le faire. Très bien. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée, Sébastien. Bon courage. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. Bonsoir. Au revoir. Alors, vous le savez, un seul et unique numéro de téléphone, le 3255, et la touche 2, il y a un seul numéro de téléphone à composer, c'est ce numéro, le 3255, la touche 2, pour arriver en direct sur le plateau. Si vous êtes en Belgique, vous le savez, c'est le 0900 88 126. Si vous souhaitez une consultation en privé hors antenne avec un confrère ou une consoeur, vous avez aussi le 01 75 75 10 10. Vous pourrez avoir une consultation en direct sur le plateau, c'est le 3255. Les consultations privées, le 01 75 75 10 10. Je vous donne une petite information, je serai présent en consultation privée justement sur le 01 75 75 10 10 à partir de demain matin au 3048. Voilà, tout est dit. En attendant, je suis toujours là en direct. Je vous attends pour des consultations. Le 3255, la touche 2. Et me semble-t-il, j'ai un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Claudine. Claudine, c'est la première fois que vous m'appelez ? Vous, oui. D'accord. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Confidentiel. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 28-12-73. 28-12-73, d'accord. Alors, votre question, Claudine, s'il vous plaît. Alors, il y a à peu près maintenant un mois, je viens de me séparer de quelqu'un et j'aimerais savoir si j'allais pouvoir me remettre de cette relation, parce que c'est difficile. Alors, son prénom, sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, Pascal, né le 12 mai 1970. 12 mai 70. Ok. Vous êtes quelqu'un qui avait du mal à rebondir au premier abord. C'est-à-dire que, dans ce que je ressens moi, vous avez besoin de temps pour regarder le passé et digérer ce passé-là. Mm. C'est comme ça que vous fonctionnez, c'est comme ça que vous avancez sur la durée. Tout à fait. Je pense que vous digérez plus la situation sur septembre-octobre pour moi. Ah ouais, quand même. Septembre-octobre, c'est relativement long, oui. Mais c'est le temps nécessaire pour pouvoir avancer. Je ne vous vois pas capable de reconstruire quelque chose avant cette période-là. Oui. Parce que ce qui m'apparaît, c'est que cette rupture engendre beaucoup de blocages, beaucoup de craintes, de peurs et d'angoisses de votre côté. Tout à fait, ouais. Et ça, finalement, c'est quelque chose qui est tellement bloquant pour vous. Et la difficulté, c'est que vous regardez beaucoup derrière vous. C'est-à-dire oui, le passé. Tout à fait. Donc, par exemple, quelqu'un dans vos amis ou vos connaissances vous fait un mauvais coup, vous allez le ruminer pendant 2-3 mois. Alors là, imaginez, la problématique sentimentale, il vous faut encore plus de temps pour le digérer. Oui. Ça, c'est comme ça que vous fonctionnez. Donc, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à attendre. De ça, à part laisser le temps de faire les choses. Oui. Donc là, par rapport à votre situation, Claudine, oui, vous allez oublier Pascal. Oui, vous allez avancer, mais pas avant septembre-octobre pour moi. D'accord. Ça me paraît difficile que ce soit avant. Oui, bah là non, vu comment je suis en ce moment, effectivement, c'est difficile. Hein. Après, ce qu'il faut aussi, c'est relativiser par rapport à votre situation. Dans votre cas, vous avez une situation difficile à gérer émotionnellement. Oui. Donc, ce qui est important par rapport à ça, c'est de prendre le positif. Il y a forcément du positif dans tout ça. Et en prenant le positif, vous allez pouvoir mieux rebondir. Ben, je ne sais pas comment, justement, j'arrive pas. Mais, j'entends que vous n'y arrivez pas, mais vous devez vous faire violence pour pouvoir tirer le positif de tout ça. C'est le seul moyen que vous avez. Le problème du Capricorne, et je suis bien connu pour être Capricorne, le problème du Capricorne, c'est qu'on reste bloqué sur le passé et on n'avance plus. Oui.
c'est ça, oui. Ben oui. Mais le seul moyen pour un Capricorne d'avancer, c'est qu'il se mette lui-même un coup de pied aux fesses. Donc, c'est pas moi qui pourrais le faire pour vous. Je me le fais à moi-même, c'est déjà pas mal. Maintenant, à vous de faire quelque chose de votre côté. Secouez-vous et prenez le dessus. Envisagez de voir le positif. C'est le seul moyen que vous avez pour pouvoir avancer. Si vous ne cherchez pas à vous faire violence, même si c'est difficile, il ne faut pas que quand c'est difficile, vous vous disiez oh, « c'est difficile ». Plus vous allez vous répéter que c'est difficile, plus ce sera difficile à digérer. Oui. Donc voilà, essayez de faire en sorte que les choses puissent, dans votre état d'esprit, évoluer sur « je retiens le positif, je garde le positif et le négatif, je le mets derrière et je ne regarde plus derrière ». Oui, parce que de toute manière, vous ne le voyez pas revenir, ne serait-ce que prendre contact. Non. 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 Non, là, c'est fini, là. Oui. Avec Pascal, c'est fini. Faut pas chercher. Ce sera plus de souffrance. Même s'il revenait, ce serait plus de souffrance qu'autre chose pour vous. Ben, c'est pas le but qu'il revienne pour qu'on se remette ensemble, mais c'est simplement, je sais pas, pour essayer de... Non, non, mais... éliminer ce que je ressens, quoi. Oui, mais vous savez même pas... Vous savez même pas, vous, de votre côté, dans le sens où, même s'il revenait, vous savez même pas ce que vous feriez. Donc, ouais, si vous voulez avoir une explication de quoi, croyez-vous vraiment qu'au vu de la séparation que vous avez eue, vous pourrez parler de ce que vous ressentez? Non. Alors, n'attendez pas ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut absolument que vous travailliez de votre côté sur vous pour avancer. Ouais. Hein? Donc, Claudine, vous avez les cartes en main maintenant. Travailler sur vous pour pouvoir prendre que le positif et lâcher le négatif et avancer. D'accord. D'accord ? Alors, nous sommes arrivés au terme de notre consultation, Claudine. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Vous avez les cartes en main pour pouvoir reprendre votre vie sentimentale en main. D'accord. Bon courage, Claudine. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Je reviens tout de suite au 3255, la touche 2, ou au 0900 88 126 depuis la Belgique. Il y a de la place, il n'y a pas d'attente sur le standard. Alors, vite fait, le 3255, la touche 2. A tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. J'espère que vous avez composé le 3255 et la touche 2 parce que c'était le moment de le faire et c'est encore le moment de le faire. Composez vite le 3255, la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Vous le savez, chers amis belges, vous avez votre numéro de téléphone à vous. C'est le 0900 88 126. Alors vite, composez le numéro de téléphone pour arriver en direct sur le plateau. Je vous attends avec impatience. Nous sommes tous très en forme ce soir. La régie pète le feu avec moi. Nous avons de bonnes ondes à vous apporter. Alors composez vite le 3255 et la touche 2. Je vous attends avec impatience. Alors est-ce que pendant que je fais tout mon speech, nous avons enfin un appel qui arrive? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, c'est Roselyne. Bonsoir Roselyne. 25935. Alors attendez Roselyne, parce que vous me faites toujours Speedy Gonzalez. Donc Roselyne. Eh ben oui, voilà. Vous m'avez dit. Mais oui, mais vous allez toujours trop vite, j'arrive pas. Votre date de naissance, c'est quoi? 25935. 935. Il faut me laisser un peu le temps d'écrire, vous savez. Hein. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. Alors, j'écris pas trop vite. Alors Roselyne, trêve de plaisanterie. Votre question, s'il vous plaît. Alors voilà, je vous ai eu il y a deux jours et vous m'aviez dit que j'allais faire une rencontre avant le 24 septembre. Oui. Bon, je voudrais savoir comment vous le voyez, puisque, comme avec les autres, vous avez répondu, j'ai dit je vais poser la question moi aussi. D'accord. Alors, c'est sur la rencontre sentimentale. Dans ce qu'on a pour vous, moi j'ai quelqu'un avec un signe astro qui est plus... cancer ou verso. Oui. Quelqu'un qui est à la fois dynamique, mais aussi et surtout très, très passionné par ce qu'il fait. Ah.
dans le sens où c'est quelqu'un qui s'investit toujours à 5000% dans ce qu'il fait. Ce qui est important à signaler au-delà du 5000% d'implication, c'est que c'est quelqu'un qui aime vivre avec passion les choses. Je pense que c'est quelque chose qui va être un peu nouveau pour vous, c'est-à-dire que c'est dans un sens différent de ce que vous avez pu rencontrer par le passé. Oui. C'est justement ce qui est intéressant parce que c'est cette différence du passé qui va vous permettre de vous sentir bien dans vos baskets. Ah bon, alors c'est parfait ça. Ce qui m'apparaît aussi, c'est que c'est quelqu'un de relativement plus jeune que vous. Encore. J'ai entre 5 et 8 ans de moins que vous. Oh là. Mon Dieu, attention, un jeune, mais vous n'êtes pas une cougar quand même, Roselyne, il ne faut pas exagérer. J'ai toujours des 20 ans de différence, alors. Non, vous n'en êtes pas quand même à la notion de cougar, on a encore de la marge. Le but, si vous voulez, c'est que vous ne faites pas votre âge, vous êtes très dynamique pour votre âge de manière générale. Donc effectivement, oui. Forcément, ça va attirer des gens relativement plus jeunes que vous. Oui. Et physiquement, vous le voyez comment ? Alors, physiquement, je n'ai pas trop d'informations. J'ai aux alentours d'1m80, tout petit peu moins d'1m80, oui. Quelqu'un de relativement élancé dans son, de, corporellement. Hein, ce qui est important, c'est que, déjà, premièrement, la taille que je vous donne est approximative. Et ensuite, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment dans une démarche d'entretenir son corps en faisant du sport. Alors, pas du sport intensif, mais je vois quelqu'un qui fait du vélo. Il y a une notion de cyclisme. Ah bon ? Alors, je ne suis pas en train de parler professionnellement, hein, en termes de loisirs, mais c'est quelqu'un qui a conscience qu'effectivement, il est important de prendre soin de son corps pour pouvoir permettre la longévité, si je puis me permettre. Ah bon ? C'est parfait, donc. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information ? Bon, au-delà du fait que je vous ai déjà dit que ça allait être une relation au long terme, oui. Pour moi, il y a vraiment cette notion de quelqu'un impliqué, passionné dans ce qu'il fait. Ça, ça ressort beaucoup. Quelqu'un de très sensibilisé à tout ce qui est artistique, musique. Ah bon. Ah mais écoute, c'est bien. On m'annonce des bonnes choses. Ben, de toute façon, c'est la finalité. Hein. Après, effectivement, en termes de calendrier, comme on dit, ça peut se décaler un petit peu. Oui, mais là, oui. J'ai quand même quelque chose de relativement positif. Hein. Et vous croyez vraiment que ça va durer quelques années ? Pour moi, ça va durer, cette relation. Oui, tout à fait. Parce que moi, vu mon âge, c'est ça, je vais me poser des questions. Ah, mais je comprends qu'avec votre âge, vous vous posiez des questions. Mais bon, vous êtes très dynamique. Vous ne sucrez pas encore les fraises, donc vous avez de la marge. Ah bon ? D'accord ? D'accord, comme ça. Bon, Roselyne, vous restez positive, les choses vont se mettre en place. Eh bien, j'espère, Thomas. Bon courage, Roselyne, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, à très bientôt, hein. Merci. Au revoir. Au revoir, Thomas, merci. Alors, vous le savez, il y a un seul numéro de téléphone à composer pour arriver en direct sur le plateau. Je vous annonce que dans quelques secondes, nous allons faire la question confidentielle. Alors, vite, composez le 3255, la touche 2, pendant que je vous rappelle le concept de l'émission, ce qui vous permet de composer le numéro de téléphone si vous êtes en Belgique. Vous le savez, vous avez un numéro de téléphone qui vous est dédié. C'est le 0900 88 126. C'est le seul numéro à composer depuis la Belgique pour arriver en direct sur le plateau pour notre question confidentielle. Et j'espère que vous avez composé le 32 55 et la touche 2 pour arriver en direct, car c'est le moment de notre question confidentielle. Allô, bonsoir. Bienvenue sur la question confidentielle. Je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. 16 février 77, c'est bien ça ? Excusez-moi, j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. D'accord, ok. Alors, c'est important quand vous me dites les mois, donnez-moi le mois décembre ou février, mais parce que les chiffres 2 et 12, c'est pas toujours évident à bien entendre. D'accord ? Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix pour me connecter avec vous, s'il vous plaît. Je vous écoute. D'accord. Oui. D'accord. Oui.
Alors, je vais vous arrêter tout de suite parce que sinon, je ne vais pas pouvoir cerner les choses. J'ai récapitule pour nos téléspectateurs puisque nous sommes en question confidentielle, donc ils n'entendent pas ce que vous dites. Donc, vous avez une question professionnelle, à savoir que vous avez un contrat qui se termine actuellement et vous avez des entretiens en cours pour d'autres entreprises. Alors, par rapport à votre situation, donc, premièrement, je n'ai pas de reconduction de votre contrat avec l'entreprise actuelle pour laquelle vous travaillez. Ça, pour moi, c'est clair, d'accord ? Ensuite, en ce qui concerne un nouvel emploi, là, vous êtes en train de me dire, j'ai une entreprise où j'ai fait des entretiens, une autre entreprise, etc. Donc, ça, je ne peux pas, honnêtement, dans cette présentation-là, vous dire quelle entreprise ce sera. Ce que je peux vous dire, et ce dont je sais, c'est que vous allez signer un contrat en avril et vous allez avoir un début d'activité professionnelle dans une nouvelle entreprise à partir de mai, d'accord ? Donc, vous avez une évolution progressive parce que le mois d'avril est vraiment consacré aux entretiens, aux contacts, aux échanges et à la signature d'un contrat. Mais le travail en lui-même reprend à partir de mai. C'est une progressivité nécessaire parce que vous allez, là vous m'avez parlé de 2 entretiens, a priori vous allez passer à peu près 6 candidatures d'entreprise. Donc, effectivement, il y a une entreprise sur les 6 qui va vous permettre d'avoir le contrat que vous souhaitez aux meilleures conditions que vous aurez possible. Pour moi, je ne vois pas comment vous définir. Je suis en train de regarder comment je peux vous définir quelle entreprise ça peut être. Il y a une notion de bureau, il y a une notion de management, il y a une notion de contact avec l'extérieur. C'est extrêmement généraliste, les informations qui me sont données. C'est de toute façon un contrat au long terme. Assorti bien évidemment d'une période un petit peu de test commune. Puisqu'effectivement, vous allez avoir besoin de vous sentir rassuré dans ce nouvel emploi. Et vous allez demander effectivement que la formation que vous aurez en interne puisse être rallongée un petit peu pour pouvoir voir vraiment tous les aspects de votre nouveau poste. Parce qu'on a une tendance, un petit peu dans cette nouvelle entreprise, à vous lancer comme ça, vite, 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 il faut faire vite, vite, vite. D'accord ? Donc là, effectivement, on a quand même une situation qui va évoluer sur du positif, mais pour moi, ce n'est pas avant le mois de mai que vous commencez à travailler. Non, je ne peux pas vous répondre à ça, parce que pour moi, vous allez en passer d'autres, et c'est sûrement pas maintenant que vous n'avez pas passé tous les entretiens que je vais vous dire si vous avez déjà passé l'entretien ou pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que si effectivement, aujourd'hui, je vous démotive en vous disant « ben non, ce ne sera pas une des entreprises », ce n'est pas vous rendre service, parce que malheureusement, vous allez dans votre caractère garder ça ancré en vous. Donc, je ne dois pas vous le dire, cette information. Tout à fait. Et le but de la consultation n'est pas de vous influencer. Donc, il faut vraiment que là, vous passiez tous les entretiens et c'est au bout que vous aurez une réponse. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, contrat au long terme, donc CDI pour moi. Tout à fait. À partir de mai, vous travaillez avec une signature fin avril, début mai au maximum, puisque vous commencez au mois de mai. C'est quelque chose qui va vous correspondre. Ce sera la meilleure proposition qu'on aura pu vous faire. D'accord ? Alors, nous sommes arrivés au terme de notre question confidentielle. Je vous remercie de votre appel et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre question confidentielle. Vous le savez, il y a quand même un numéro de téléphone qui est toujours accessible pour vous et qui vous attend. C'est le 3255, la touche 2. Je vous attends avec impatience sur le plateau. Vous le savez, il n'y a pas de retenue à avoir sur le plateau. Vous me posez les questions que vous souhaitez au 3255 et la touche 2. Vous le savez, vous pouvez avoir des consultations hors antenne. Le numéro s'affiche en bas de votre écran. C'est le 01 75 75 10 10. Je serai disponible à partir de demain. Mon identifiant est le 30 48. Alors, en ce qui nous concerne maintenant, pour la Belgique, c'est le 0900 88 126 ou le 32 55. La touche 2 pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Nathalie. Nathalie, bienvenue Nathalie, c'est la première fois que vous me consultez ? C'est la première fois que vous me consultez, Nathalie ? Oui. D'accord, alors je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 28 oui. juillet oui. 67. Parfait. Alors, Nathalie, quelle est votre question, s'il vous plaît ? Alors, j'aurais voulu savoir si vous pouvez voir si je veux faire une rencontre prochainement. Rencontre sentimentale. Vous, de votre côté, c'est plus sur la fin du printemps que les choses vont pouvoir se mettre en place sentimentalement. Il y a un lien avec le professionnel là-dedans. Oui. Alors, ce n'est pas une personne de votre hiérarchie, ce n'est pas une personne de... C'est pas un collègue. D'accord, de mon équipe, ouais. C'est quelqu'un qui arrive dans l'entreprise comme quelqu'un qui ferait des formations, comme quelqu'un qui viendrait intervenir de manière récurrente sur plusieurs semaines. D'accord. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de formation, si vous voulez. Quelqu'un qui vient pour apporter quelque chose au personnel de l'entreprise. Qui vient faire une formation ? Je pense que c'est quelqu'un qui vient prodiguer des formations. Ah d'accord, ok. C'est pas le facteur, ça c'est sûr. Ça, il n'a pas sûr. L'uniforme de la poste. Non, non. Quelqu'un de relativement grand, au-delà d'un mètre 80. Ouais. Plutôt brun. Légèrement plus jeune que vous, c'est quelqu'un qui est né en 74. Ah oui, quand même. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, 74, ça fait 42, 43 ans, quoi. Ouais, bah ça va. Ouais, ça va. Ça va. Non, attendez, on n'est pas dans la notion de cougar, là, ça ah, va. Pas du tout. Hein. Voilà. Bon, pas bon, du tout. Donc ça va, pas de problème. Hein. Et je l'ai jamais vue, cette personne-là. Non, vous l'avez jamais vue. Elle va vraiment apparaître sur la fin du printemps dans votre univers professionnel. D'accord, formation. Non, c'est quelque chose qui n'est pas défini encore. Hein. C'est quelque chose qui n'a pas été planifié encore dans l'entreprise. Voilà, bah oui, je m'en doute. Ouais. Dans sa démarche à cette personne-là, c'est quelqu'un de relativement timide au premier abord. Ouais. Qui est quand même très sensible et qui a tendance à se faire déstabiliser par ses émotions. Donc ouais. Ça me semble être quand même quelqu'un soit Sagittaire, soit ascendant Sagittaire. Hein, ça ressemble beaucoup à ça. D'accord. En ce qui concerne cette évolution, c'est quelque chose qui sera vraiment très précis sur 2015, si vous voulez. On a l'impression là que bon, ça, c'est un peu chaotique, on se cherche un petit peu sur 2014. D'accord. Hein, il y a des choses qui avancent, il y a vraiment une relation qui se prépare en 2014, mais qui est vraiment plus concrète en 2015. D'accord. Parce que j'ai surtout le sentiment que... Ouais, 2014, vous avez chacun besoin de prendre vos marques. Hein. Et puis, ah oui, d'accord. Si je puis me permettre, Nathalie, certaines fois, vous êtes un petit peu speed, donc ça peut surprendre face à vous. Je suis speed. Oui, dans le sens où, effectivement, vous savez bien ce que vous voulez comme vous le voulez. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc, au-delà de ça, ça peut faire peur. Donc, il faut essayer de vous pondérer certaines fois. Ah, ok. Mais oui, mais ça, j'ai du mal parce que je suis quelqu'un de très spontané. Oui, mais alors attendez, spontané ne veut pas non plus dire casse la baraque derrière et foncer dans le mur, quoi. Hein. Tout à fait. Donc, effectivement, il me semble qu'il faudra un petit peu plus de délicatesse certaines fois. Ah ok, d'accord, j'ai compris, ouais. C'est quelqu'un de tact. Voilà, de tact, exactement. D'accord, c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup en termes de sensibilité. Et ça, c'est ce que vous avez besoin. Quelqu'un qui puisse vous apporter de la sensibilité, de l'interaction, de vraiment quelque chose d'affectif très fort. D'accord. C'est quelqu'un de romantique. Alors, certaines fois, vous trouverez ça un peu cucu, mais ça va vraiment vous plaire au final. D'accord. Ah, et fleur bleue, c'est pas mal aussi quand même. Bah, j'aime bien moi aussi, ouais. Je suis un peu fleur bleue. Quoi, je suis entre les deux. Ouais, vous êtes un peu beaucoup terre à terre aussi quand même des fois. Donc voilà. Vous rééquilibrez un petit peu tout ça, heureusement. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la notion de sentiment, de s'exprimer sur ses ressentis. Enfin, on a vraiment quelque chose de positif là. Hein. Ah ben ça me changera. Oui, je pense que vous avez besoin de ça. Il faut que ça contrecarre vos relations passées. Ouais, tout à fait. Parce que finalement, vous étiez rentré dans un cercle un peu vicieux où vous aviez toujours le même type de personnes qui étaient toujours dans les mêmes choses instables et inconstantes.
tout à fait. Donc, vous avez besoin de ça. Puis, vous êtes extrêmement carré dans votre façon de voir les choses. Donc, effectivement, le fait de bouger sur quelqu'un de très romantique qui exprime beaucoup ses ressentis, bah, finalement, ça vous apportera beaucoup. Donc, pour moi, il n'y a que du positif. C'est juste une question de temps, Nathalie. D'accord. Donc, normalement, je devrais le rencontrer fin de printemps, alors. Voilà, fin printemps, mai-juin, quoi. Hein. D'accord. Okay. D'accord. Ok. Alors Nathalie, d'accord. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation. En tout cas, restez positive. Ça se fait en 2014, c'est le plus important. Super. Merci Thomas, je vous remercie. Mais de rien. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, c'est gentil. Vous aussi, bon courage. Merci, à bientôt. Au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause. Pendant ce temps, vite, composez le 3255, la touche 2, ou depuis la Belgique, le 0900 88 126. Il y a de la place, je vous attends. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel. Je suis heureux d'être là avec vous. Je vous attends avec impatience sur le plateau. J'espère que vous avez composé le 3255 et la touche 2 ou le 0900 88 126 depuis la Belgique. J'espère que vous êtes là. Allô, bonsoir. J'ai un appel, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Céline. Céline, c'est la première fois que vous me consultez, Céline ? Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. Alors, le 4 août 79. Août 79, parfait. Quelle est votre question, Céline, s'il vous plaît ? Ce serait d'ordre financier. Oui. Voir un petit peu l'évolution, parce qu'en ce moment, c'est pas terrible. Oui, alors, on n'est pas encore dans la catastrophe, hein, mais... On n'est pas loin. Voilà, mais on n'y est pas encore, c'est le plus important. Là, votre difficulté, c'est que vous êtes sur la fin d'un cycle de votre chemin de vie et c'est quelque chose qui, justement, déstabilise beaucoup votre début d'année 2014. Le plus important, c'est qu'effectivement, vous avez une longévité financière positive. C'est-à-dire que, pour moi, à aucun moment, vous avez ce qu'on appelle vulgairement la banqueroute ou le gros problème financier qui vous apporte un point de non-retour. D'accord. Vous avez effectivement une situation fluctuante, mais vous avez quand même une relation financière stable sur la durée. C'est-à-dire que votre côté financier, vous avez, dans votre relation financière, vous avez des périodes où vous allez avoir des difficultés, mais qui ne seront jamais irréversibles. Ça, c'est pas mal. Vous avez entendu, j'utilise le mot relation financière parce que votre rapport à l'argent reste quand même... angoissant. Oui. Donc, il faut faire attention avec ça parce que finalement, il ne faut pas prendre le financier comme quelque chose de problématique. Sinon, effectivement, vous générez une énergie négative qui va apporter des problèmes. D'accord. Donc, il faut absolument que vous preniez du recul en vous disant, ok, c'est difficile, on se serre la ceinture, mais on est beaucoup comme ça à serrer la ceinture. Oui. Vous n'êtes pas dans une situation irrémédiable. Et ça, on est d'accord là-dessus. D'accord. Donc, dans votre cas à vous, l'amélioration, c'est à partir de fin juin, début juillet. Ah. D'accord ? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est dans pas trop longtemps. Donc, ça va vous permettre de quand même tenir jusque-là. D'accord ? D'accord. Par contre, soyez très vigilants sur le deuxième semestre 2014. Vous serez encore mis à l'épreuve sur cet aspect financier sur septembre-octobre.
D'accord. Donc, vous voyez, sur fin juin, début juillet, il y a une amélioration, mais ça redescend encore sur septembre-octobre. Vous devriez avoir une situation un petit peu problématique. C'est loin d'être un embellissement sur septembre-octobre, dans le sens où, pour moi, c'est vraiment une notion... je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme des taxes ou des impôts qui tombent un petit peu plus que prévu. Et finalement, d'accord, ça vous fait paniquer encore une fois. Oui. Hein? C'est « je râle parce que ça m'énerve ». C'est normal, hein, comme tout français, hein, on râle. Mais au-delà de ça, il y a une notion de « je panique parce que je me dis que je m'en sortirai jamais ». Alors, il faut arrêter de vous dire « je m'en sortirai jamais, ça marchera jamais ». Tout à fait ça en plus. Hein. Comment voulez-vous que ça marche si vous êtes si négative? Ah, c'est que en plus, j'ai un petit peu pessimiste. Donc, Un petit peu, ben, le mot est faible. C'est extrêmement, terriblement, horriblement pessimiste. Je me demande d'ailleurs comment vous faites pour ne pas être encore en Banque de France à votre niveau. Parce que vu tout le négatif que vous avez dans cet aspect financier, en tout cas, il faut absolument lâcher prise sur cette notion financière. À partir du moment où vous allez relativiser par rapport à vos situations financières, les problèmes seront moins importants et vous réglerez plus vite les difficultés. D'accord. D'accord ? D'accord, très bien. Et bon, on va faire comme ça. Ben, je crois qu'il serait bien. Hein. Il serait bien. En tout cas, si on regarde juste par rapport à votre numérologie, vous êtes en année positive. Donc, n'y mettez pas du négatif. Dans cette année, il n'y a pas de raison. D'accord. Vous êtes dans une bonne année. Ça va se caler, ça va se mettre en place. Il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Hein? Bon, Céline, on est dans la bonne direction. On ne baisse pas les bras. Et puis, finalement, ben, tout va rouler. Ah ben, j'espère bien. Ben, oui, moi aussi, j'espère bien. Céline, nous sommes arrivés au terme de notre consultation. En tout cas, ne baissez jamais les bras et restez positive. Eh bien, écoutez, je vous remercie, vous êtes très aimable. Mais de rien, le but n'était pas forcément d'être aimable, mais si je le suis, non, c'est encore mieux. Ça m'a rassuré aussi, franchement. D'accord, ben, écoutez, si ça a pu vous apporter une possibilité d'être positive, tant mieux. Mais écoutez, je vous remercie. Mais de rien, je vous souhaite une excellente soirée et bon courage, Céline. Merci pareillement. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, vous êtes toujours en direct sur le plateau de Confidentiel. Je suis bien évidemment toujours Thomas Dana, médium pur auditif. Je vous attends avec impatience sur le plateau pour des consultations sans support et sans complaisance, bien évidemment. Alors vite, composez le 3255, la touche 2 pour arriver en direct sur le plateau. Ou depuis la Belgique, vous le savez, je vous le répète tout le temps, c'est le 0900 88 126. Alors vite, composez ce numéro de téléphone. Il y a de la place et notre émission se termine à 23h. Vous avez encore la possibilité d'arriver en direct sur le plateau, mais pour cela... vous devez composer le 3255 et la touche 2 pendant que moi j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes en direct sur le plateau, est-ce que vous m'entendez? Non, vous ne m'entendez pas encore, j'espère que je ne vous fais pas peur. Alors, nous allons pendant ce temps vous rappeler le numéro qui s'affiche juste en bas ici, c'est le numéro pour les Belges, le 0900 88 126. Il est bien important de composer ce numéro de téléphone pour arriver en direct sur le plateau et le 3255. Et la touche 2, je crois que c'est bon, la personne a repris ses esprits. Êtes-vous avec moi en ligne? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. C'est Marie-Josée. Marie-Josée, on s'est déjà eu, Marie-Josée? Non, c'est la première fois. D'accord. Alors, je vous écoute pour votre date de naissance et votre question. Le 14 juillet. Oui. 1949. Oui. Et là, je appelle pour ma fille. Ma d'accord. Fille Belinda. Belinda, d'accord. Le 17 avril 1992. D'accord. Quelle est votre question pour votre fille? Ben, c'est pour savoir si elle va réussir à trouver un emploi en CDI. Alors, professionnelle. Elle a du caractère, hein, Belinda. Ah oui, beaucoup. Bon, en même temps, des chiens ne font pas des chats, comme on dit chez moi. Hein? Il y a ouais. du caractère à la maison, donc il y a du caractère chez elle aussi. Par rapport à la situation, son avenir professionnel, il se décide plus sur juin pour elle. Parce que c'est effectivement juin qui est le mois important de déclenchement professionnel. Il y a effectivement un contrat en CDI, mais par contre, elle a une période d'essai relativement longue. Hein. J'ai 3 mois de période d'essai. D'accord. Par contre, dans sa situation... il faudrait qu'elle ait un peu plus confiance en elle, parce que c'est vrai qu'au premier abord, elle donne l'image de quelqu'un qui est confiante, qui est positive, qui en veut. Et en fait, finalement, intérieurement, elle se pose énormément de questions. Elle doute beaucoup d'elle-même et de son avenir.
Bon, elle est quand même relativement jeune, donc il ne faut pas qu'elle panique non plus. Il y a des choses positives qui vont se présenter. Maintenant, là, il faut vraiment qu'elle soit dans du... Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais du démarchage intensif. C'est-à-dire que pour moi, elle doit absolument donner tout ce qu'elle a pour trouver un travail au long terme entre avril et mai. C'est vraiment sur ces périodes-là, parce que le contrat, il va être signé après, sur juin. Pour moi, c'est important qu'elle donne tout sur avril et mai. D'accord. Alors, c'est quand même une entreprise relativement grande, hein, puisqu'il y a une notion de nationale. Moi, je la vois travailler sur quelque chose de national, c'est-à-dire que c'est pas un petit magasin, une petite boutique ou une petite entreprise de la région, c'est vraiment quelque chose qui est développé sur le territoire français entier. Oui. Et pour moi, c'est clair, c'est mois de juin, quoi. Il y a aucun doute, aucune hésitation, Marie-Josée. Mais Linda, elle a son CDI là, qui lui pend au nez, qui est vraiment très très proche. Ouais, c'est très bien. Donc là, il faut, si je puis me permettre, dans votre énergie, vous doutez beaucoup, vous aussi, de votre côté. Vous avez du mal à vous dire que oui, c'est évident, elle va trouver un CDI. J'ai l'impression que vous, c'est pas que vous avez baissé les bras, mais que vous êtes un petit peu défaitiste sur ce sujet. Ben, c'est que depuis qu'elle cherche, elle ne trouve rien. Oui, mais la conjoncture est celle qu'elle est. Donc, si vous voulez, c'est normal que ce soit plus difficile à trouver, mais... C'est pas parce que c'est difficile que c'est insurmontable. Oui, bien sûr. Hein? Donc, elle est jeune, c'est aussi ça, la difficulté. Elle est très jeune. Donc, derrière, c'est vrai que les profils de ce type ont du mal à passer dans les premiers. Mais elle va obtenir un CDI. Pour moi, je n'ai aucune inquiétude. C'est super, alors. Donc, on est dans une bonne direction, Marie-Josée. Il faut juste que là, elle donne tout ce qu'elle a sur avril et mai. D'accord. C'est ce qui va permettre que la relation professionnelle se mette en place avec une entité nationale. D'accord. J'ai pas de doute là-dessus, hein, Marie-Josée. Donc restez confiante. D'accord ? D'accord. Je vous remercie. Mais de rien, Marie-Josée. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon courage. Merci de même. À très bientôt. Au revoir. Alors, vous le savez, il y a un seul et unique numéro de téléphone à composer, c'est le 3255 et la touche 2. Nous allons marquer une courte pause, alors profitez-en pour prendre votre téléphone au vol, composer le 3255, la touche 2, ou depuis la Belgique, le 0900 88 126. A tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle, consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel, vous le savez, il y a un seul et unique numéro de téléphone à composer, le 3255 et la touche 2, ou depuis la Belgique, le 0900 88 126. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif, pardon, et je suis là pour vous, chers téléspectateurs et auditeurs, si vous ne faites qu'écouter et non pas regarder, parce que je suis peut-être pas très agréable à regarder. Alors composez vite le 3255, peu importe, c'est le seul numéro que vous devez faire pour arriver en direct sur le plateau. Et oui, j'aime bien faire le peu importe, moi ça me plaît bien ce côté un petit peu non traditionnel, hein. Qu'en pensez-vous la régie? Le 3255, peu importe, c'est le seul numéro de téléphone à faire. Alors vite, arrivez en direct sur le plateau pour une consultation sans complaisance. Je vous attends, et pendant qu'on me chambre sur d'éventuelles fautes d'orthographe ou de prononciation, bah écoutez, moi je m'en fiche. Le principal, c'est de faire des consultations en direct, sans support et sans complaisance. Alors, le numéro belge, voilà, il est là. Eh ben oui, c'est le 0900 88 126. Eh oui, on y va, on redonne les numéros de téléphone parce que j'ai un petit peu peur que vous les oubliez. Effectivement, le standard sonne pas beaucoup ce soir. Donc vite, faites le 3255, la touche 2, pendant que moi j'accueille un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Eric. Bonsoir Eric, bienvenue.
Alors, ma question, elle est professionnelle. Oui. Là, je suis en arrêt et je suis salarié d'une entreprise et j'ai l'opportunité de reprendre une franchise. J'aurais voulu savoir si vous pensez que je vais quitter mon emploi et aller vers cette franchise ou autre chose. D'accord. Ou cueillir des pommes de terre. On va aller voir ça. Alors, Eric, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 26 septembre 1960. Alors, excusez-moi, j'ai pas, mais je le fais exprès, la régie, de dire des bêtises. Excusez-moi, Eric, j'ai pas entendu votre date de naissance. Alors, 26 septembre 1960. 60, super, nickel. Allez, on est parti. Professionnel, franchise. Alors déjà, il y a des choses à classer là dans votre situation actuelle. Hein. Les choses à classer, elles vont prendre un petit peu de temps. C'est-à-dire que moi, je vous vois quitter votre entreprise sur fin juin, début juillet. Votre franchise, ouais. Votre franchise, il faut ensuite quelques mois. Alors, je reviens juste sur le côté actuel avec votre entreprise. C'est une rupture conventionnelle. Hein. D'accord. À leur demande ou à la mienne? À la vôtre. D'accord. À la vôtre, à la vôtre. Parce que vous avez votre projet derrière. Oui. Ensuite, au niveau de la franchise, c'est une franchise dans la restauration ? Non, justement, c'est dans le matrimonial. D'accord, ok, prestation de service. C'est bizarre parce que dans cette notion de franchise, ça ne ressemble pas vraiment à une franchise, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas trop de contraintes pour pouvoir rentrer dans ce réseau. Exact. Vous êtes vraiment dans une notion un peu indépendant, finalement, et vous prenez le savoir-faire de cette entreprise. Voilà, c'est ça. Parce que ouais, quand vous me dites franchise, je ne le vois pas... Ouais, ok. Donc, pour moi, ça va se mettre en place. Par contre, c'est plus sur l'automne. Hein. Vous avez des choses à régler avant. Et le temps que tout ça se mette en place, c'est plus sur l'automne que vous commencez. D'accord. Donc, c'est bien dans ce domaine-là que je dois aller, alors. C'est bien dans une notion d'indépendance que vous devez aller avec, effectivement, la notion de franchise pour avoir un savoir-faire, un nom et avancer plus vite. D'accord. Et vous pensez qu'il y a autre chose à côté? Alors, précisez-moi votre question, je ne vous ai pas suivi. Alors, c'est-à-dire que là, j'ai l'opportunité d'ouvrir deux agences. Est-ce que vous pensez que je peux m'agrandir? Alors, est-ce qu'il y a une évolution, en fait? C'est ça, votre question? Oui. D'accord. Pour moi, oui. Je vous demande juste un instant en termes de période, parce que là, je ne suis pas dedans. Oui, vous vous agrandirez, mais je vais être très clair avec vous. Il vous faudra un minimum de 3 ans oui. pour pouvoir vous développer plus que ça. D'accord. Donc, vous pensez que ça va être dur, alors? Au total, vous avez 8 agences, au final. 8. D'accord. Bon, bah super. Alors, ça va être dur, tout est relatif. Quand je vous entends, ça va être dur. Ben oui, forcément, en ce moment, il faut se donner 5 fois plus pour avoir le même résultat. Ouais, hein. Ouais. Donc, et le matrimonial n'y change pas. Hein. C'est pas parce que c'est le matrimonial que ça va avancer plus vite. Moi, c'est surtout sur une notion de développement et trouver les bons collaborateurs. C'est surtout ça, moi, le problème. Oui, parce qu'on me proposait une franchise dans le recrutement aussi. Donc, c'est pour ça. Je ne sais pas, ça ne me parle pas, hein, une franchise dans le recrutement. Ouais. Moi, je vous parle vraiment de vos agences-là par rapport à une prestation de service. C'est le recrutement, parce que le problème, c'est que vous devez créer des agences, mais vous ne pouvez pas être partout. Donc, vous allez devoir vous entourer de collaborateurs de confiance, et ce sera surtout ça le plus difficile pour vous. D'accord. Par contre, vous m'avez parlé de restauration. Vous êtes le deuxième qui me parle de restauration, et je ne sais pas de quoi il peut s'agir. Bah écoutez, moi, on m'a dit franchise dans la restauration. Moi, je ne vois pas votre truc de matrimonial, mais bon, ça peut être matrimonial et que je ne l'ai pas vu. Moi, on me parle de restauration. Après, je ne peux pas... Parce que j'avais eu un de vos confrères qui m'avait dit qu'il y aura une franchise dans la restauration, mais surtout, faites-le pas, ça risquerait de ne pas marcher. Je ne sais pas. Moi, on me parle de restauration. Après laquelle, de quelle manière ou autre? J'ai de toute façon une notion de franchisé, de réseau. J'ai une notion de développement ensuite au bout de 3 ans pour arriver au total de 8 agences. Ouais. La difficulté en termes de personnel et collaborateurs de confiance, ça, ce sont les points très précis et très clairs dans ce que j'ai, moi, à vous apporter. Ouais. Ensuite... Et pour la dernière question, c'est la franchise pour elle-même, vous ressentiriez quoi, vous? Je suis désolé, je ne comprends pas votre question. Vous ressentiriez quel domaine professionnel? Mais je vous ai dit, la restauration. Restauration, voilà. D'accord.
Donc, pour moi, si vous voulez, là, dans votre situation, peu importe le domaine qu'il en soit, c'est de la franchise dans tous les cas. Bon, bah super. Hein ? Pour moi, si vous voulez, l'évolution que vous allez avoir là, il ne faut surtout pas trop vous précipiter. Vous êtes quelqu'un qui allait certaines fois trop vite. Oui, exact. Donc, il va falloir se calmer un petit peu, parce que si vous allez trop vite, c'est la mort assurée. Oui, je pense. Ouais. D'accord ? Donc là, il faut vraiment apprendre la patience et le côté pragmatique. C'est-à-dire que je fais les choses étape par étape et une fois que c'est super solide, je développe derrière. Bon, bah, je prends mais déjà, conseil. Je ne vous vois pas créer d'emblée deux agences. Bon. Elles sont successives à 6-8 mois d'intervalle. Bon, bah ok. Je vous tiendrai au courant. Mais avec plaisir, Eric. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bon courage. Bonne soirée, au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, vous le savez, il faut arriver en direct sur le plateau pour les amis belges. C'est le numéro qui est ici, le 0988 126. Et pour tous les autres, le 3255, la touche 2, que ce soit une question professionnelle, sentimentale, financière, immobilière, eh bien, je vous attends en direct sur le plateau au 3255 et la touche 2, pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Catherine. Bonsoir, Catherine. Je suis née le 050369. 5 mars 69. D'accord. Et donc, j'aurais une question sur le niveau professionnel. Je voulais savoir, j'avais des certaines rivalités sur mon lieu de travail. Je voulais savoir quelle évolution vous voyez pour moi. On s'est déjà eu, Catherine ? Il y a quelques mois, mais c'était pour mon frère. D'accord. Parce que là, dans ce que je ressens, les rivalités, moi, j'appellerais plutôt ça dans votre univers professionnel un vrai panier de crabes. C'est même plus de la rivalité, c'est au-delà de la rivalité. Tout à fait. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va durer encore à peu près pendant deux mois et demi. Il y a quelqu'un qui s'en va, justement, de votre univers professionnel. Alors, je ne sais pas si c'est une démission ou autre chose. En tout cas, il y a quelqu'un qui part et qui permet que la situation s'améliore en termes d'énergie et de partage dans l'univers professionnel. C'est une femme ? C'est une femme, tout à fait. Oui, c'est ça. J'ai des problèmes avec elle. C'est quelque chose qui va évoluer très rapidement, dès son départ, comme si ça apportait une libération à tout le monde. Ouais, je pense à ce qu'a mis le bazar. C'est... Pas plus ou moins. Ouais, c'est quelqu'un qui a quand même un problème... Enfin, non, c'est pas un problème. C'est quelqu'un qui manipule quand même une certaine personne masculine dans la hiérarchie. Oui, mais en fait, je crois qu'il est en train de la découvrir. Oui, mais en attendant, c'est pas qu'elle s'est bien amusée, mais enfin bon, elle a fait quand même des dégâts. Oui, parce que... Oui. Donc là, si vous voulez, pour moi, les personnes sont en train de prendre conscience des choses, mais avant que ça disparaisse totalement, il faut bien deux mois et demi. Bon, enfin, les gens, vous avez très bien cerné le problème, donc déjà, je tiens à vous le dire. C'est gentil, merci. Mais déjà, je me rends compte que depuis 15 jours, enfin 3 semaines, les gens commencent, on en entend parler et ça commence à remonter. Oui. Le fait que cette personne est une manipulatrice et c'est peut-être pas psychopathe, mais il y a quand même des soucis importants. Oui, tout à fait. Mais c'est une grande manipulatrice. Oh, mais ça ne marche pas avec moi. Oui, bah c'est pour ça que c'est aussi tendu entre vous. C'est parce que justement, ça ne marche pas. Donc forcément, ça rentre en conflit. Si ça marchait, elle ne serait pas en conflit. Là, le conflit, il est bien présent. Hein. Pour moi, il disparaîtra dans deux mois et demi. Parce que cette personne ne sera plus là. Et ça va, ça va réaplatir un petit peu tout ça. Ça va permettre un apaisement. Au-delà de ça, vous, sur votre univers professionnel, à l'automne, vous évoluez professionnellement. Ouais. Je travaille beaucoup, mais bon, j'ai un petit peu d'ambition. Et oui, mais là, l'évolution, c'est à l'automne. Hein. Oui, mais bon, je suis contente de ce que j'ai. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu ambitieuse, mais... Bon, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, aussi bien personnelles aussi. Oui. Donc, bon, je prendrai ce qu'on me donne, quoi. Oui, enfin, bon, là, on vous donne quelque chose qui vous intéresse, donc non, c'est bien. Enfin, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est bien. Pour moi, c'est vraiment un aspect positif. C'est un peu aussi une reconnaissance du travail et des efforts que vous avez faits. Enfin, pour moi, tout va bien, là. Hein. Tout va bien dans le sens que cette évolution... elle est positive et elle est vraiment dans une notion de vous permettre de vous concrétiser professionnellement, encore plus. Oui, donc cette personne, autrement dit, cette personne ne va pas nuire et ne me nuira pas plus que ça. Bah, vous nuire, elle ne peut pas vraiment vous nuire parce que si vous voulez,
professionnellement, on ne peut pas vous reprocher grand-chose. Donc effectivement, oui, elle peut tenter de vous nuire, mais finalement, il y a des faits derrière, il y a des preuves, il y a des choses, il y a du travail qui est fait. Donc si vous voulez, elle ne vous nuit pas réellement, à part apporter une ambiance pourrie, il n'y a que ça, en fait, qu'elle peut faire. Et sa volonté, c'est de monter les gens les uns contre les autres. C'est ça. Donc, qu'elle essaye, tant mieux, ça très bien. Mais si pourtant, ça peut c'est quelqu'un d'un niveau ingénieur, qui est cadre, je n'ai jamais vu ça, c'est incroyable, quoi. J'allais dire un mot très vulgaire, mais c'est pas... C'est pas parce qu'on a un niveau d'études très important que ça n'empêche pas d'être con, quoi. Excusez-moi, c'est un peu ça. Elle a besoin de manipuler. Elle a besoin de manipuler pour se sentir importante et pour pouvoir avoir l'impression de maîtriser la situation. C'est un problème qu'elle a besoin de régler avec un psychologue, mais pas autrement, quoi. Chacun a ses problèmes. Là, dans son cas à elle, on peut rien y faire. On peut rien y faire. Mais ne cherchez pas à rentrer en conflit plus que ça. Laissez les choses se faire. De toute façon, elle se grillera toute seule. Oui. En tout cas, je voulais préciser à l'antenne que vous avez bien vu la situation. Très bien. C'est gentil. Merci beaucoup, Catherine. Voilà. En tout cas, restez positive. Une bonne soirée. L'évolution sur 2014 est positive sur les deux aspects. La disparition de cette personne, en tout cas sur l'univers professionnel. Oui. Et ensuite, sur l'automne, une évolution professionnelle qui vous permet d'être reconnue par rapport aux efforts du travail que vous avez fourni. Merci infiniment. Mais de rien, je vous embrasse Catherine, à bientôt. Moi aussi je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle que si comme Catherine, vous avez des problèmes dans l'univers professionnel ou que vous voulez avoir des réponses sur un domaine sentimental, n'hésitez plus, le 32 55 et la touche 2, je vous attends avec impatience sur ce plateau. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît ? Luc. Luc, c'est la première fois que vous me consultez ? Non, je vous ai déjà appelé hier, en fait. D'accord. Alors, Luc, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 9-7-70. 9 juillet 70. OK. Votre question, Luc, s'il vous plaît. Donc, je serai professionnel. Donc, je souhaite changer de vie professionnelle. Et en fait, je m'étais basé sur la restauration. Oui. Et là, j'ai vu un restaurant près de chez moi qui est à vendre. Oui. Et donc, je me demandais, qui me conviendrait. Oui. Et c'était pour savoir si ça peut être ce restaurant. Ah, c'est dur ce que vous me dites. Comment je peux savoir que c'est ce restaurant-là ? C'est une devanture qui a des couleurs plutôt rouge-bordeaux ? Alors non, c'est vif, c'est jaune, mais c'est pas rouge-bordeaux. Il n'y a pas de rouge-bordeaux ? Non. Moi, je le sens pas. Hier, je vous avais appelé pour autre chose. Oui. Et vous me voyez avec un balcon. Oui. Et une signature au mois d'avril, là. Oui. Et sur le coup, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est pour ça que je vous rappelle, d'ailleurs. Oui. Et c'est vrai que là, il y a un balcon. Sur ce restaurant-là, c'est ça ? Oui. OK. Très sincèrement, la devanture, pour moi... C'est vraiment une notion rouge bordeaux. C'est pas un rouge vif, si vous voulez. Après, est-ce que c'est ce que vous allez en faire derrière ? C'est possible, hein ? Oui. Mais pour moi, je sais pas. Honnêtement, là, c'est quelque chose qui est proche de chez vous. On est d'accord ? Là, oui, c'est proche de chez moi, oui. OK. C'est quelque chose qui cale dans votre budget aussi, déjà, le prix sans négociation. Là, je ne me suis pas encore aventuré, en fait. Hein. Si, effectivement, le budget qui est demandé sans négociation est dans votre fourchette de prix, ça devrait être celui-ci, parce que c'est le critère que moi, j'ai. D'accord. Il y a une notion de place de parking privative. Oui, il y a une place, en fait... il y a une place publique, en fait. Alors, non, pour moi, c'est une place de parking privative. D'accord. D'accord. Donc, ça veut dire que ce n'est peut-être pas ce bien. D'accord. Là, par rapport à votre situation, Luc, il faut que les choses bougent en avril, donc on est encore en mars, donc c'est possible que ce soit que dans quelques jours. Oui. D'accord. Donc vous ne focalisez pas trop que sur quelque chose. Là, voilà, vous allez voir peut-être un petit peu plus en détail ce bien-là. Il y en aura d'autres à voir. À mon avis, vous allez pouvoir faire votre choix qu'en avril. En mars, ça me paraît difficile. Vous n'aurez pas vraiment vu ce que vous avez besoin de voir. Et vous,
voyez quand même près de chez moi ou vous voyez un déménagement ? Non, pour moi, ça reste proche de chez vous. Hein. C'est très rapide, hein, 10 minutes, un quart d'heure maximum en transport. D'accord. Très bien. Donc, c'est quelque chose de proche pour moi. D'accord. Et là, il faut que vous restiez positif, Luc, parce que vous avez tendance à avoir le moral un peu en dents de scie. Oui, parce que je suis... Oui, tout à fait, oui. D'accord. Bon, vous restez positif, Luc, ça va se mettre en place. Ne paniquez pas, c'est en avril qu'il y a des choses plus concrètes. Là, mars, c'est un petit peu à tâtons, d'accord ? D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée, Luc, bon courage. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Merci. Alors, nous allons tout de suite passer à notre question-répondeur. Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis née le 22 avril 1961, je suis dans le Var, à la Seyne-sur-Mer. Je voudrais savoir si j'aurais une vie sentimentale avec un monsieur qui s'appelle Jean-Luc. Cette personne est en instance de divorce. Je voudrais savoir s'il compte rester avec sa femme ou compte faire quelque chose avec moi. Je vous remercie, bonsoir. Alors, je vous remercie pour votre question, Daniel. Et la grossière erreur, c'est de ne pas m'avoir donné sa date de naissance parce que vous me parlez de lui et de son divorce éventuel. Donc là, j'ai aucune date à vous donner, malheureusement. Donc, c'est bien important, quand vous laissez votre question sur le répondeur, pensez à donner la date de naissance de la personne que vous voulez aborder, en tout cas quand ça me concerne pour des consultations sur le plateau, car j'ai besoin de la date de naissance pour pouvoir vous donner des périodes datées. Alors, en ce qui vous concerne, vous, vous avez une évolution sentimentale qui se précise sur juin-juillet. Cette évolution sentimentale, elle vous permet un épanouissement. Effectivement, je vois cet épanouissement par le fait que la personne en question soit en instance de divorce et que les choses avancent dans le bon sens. Et c'est ça, finalement, qui est important, c'est que les choses avancent dans le bon sens pour une séparation définitive qui va vous permettre de vous positionner dans une relation constructive. Alors c'est une question de temps. Vous dire si c'est Jean-Luc, ça me paraît un petit peu difficile d'être aussi précis. En tout cas, c'est quelqu'un que vous côtoyez déjà, donc ça peut être effectivement Jean-Luc. Sur la longévité, on a effectivement cette future ex-femme qui disparaît totalement de l'univers de cette personne-là et qui va permettre une stabilité entre vous deux. Donc restez positif, Daniel, tout va se mettre en place. J'arrive maintenant à mon coup de cœur. Qui sera mon coup de cœur avec Sébastien qui avait besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour son diplôme. Vous avez les cartes en main, Sébastien, pour y aller. Alors il faut y aller, ne baissez pas les bras. C'est très, très important. Je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine. Vous retrouverez à partir de mercredi Atlan Joy, astrologue de haut niveau. Donc n'hésitez pas, dès mercredi 21h30, composez le 3255 pour avoir ma consoeur Atlan, qui je suis sûr sera heureuse de vous accueillir en direct sur le plateau. En ce qui me concerne, je vous retrouve à partir de minuit sur la même chaîne tout à l'heure pour notre dernière émission de la semaine. J'ai passé une excellente semaine avec vous. J'espère vous avoir à partir de minuit au 3255 la touche 2 et pour les Belges 0900 88 126. Je vous embrasse tous, bonne nuit et à tout à l'heure. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.